De la massive place forte médiévale érigée au XVe siècle, il ne reste que ces deux tours anachroniques qui rejoignent l'élégante architecture de ce château de style néo-renaissance. L'enceinte fortifiée et ses fossés ont également disparu. L'ensemble a néanmoins fière allure au cœur de cette région Bourgogne-Franche-Comté. En dépit de son abandon, il reste un fleuron architectural de notre patrimoine. Ayant autrefois appartenu à de riches familles proches de la royauté, son déclin était programmé, sa prospérité n'était plus de mise. Après la Révolution française, sa survie coûtera deux autres châteaux à ses propriétaires issus de la noblesse, de la haute bourgeoisie. Aujourd'hui, ce bien immobilier d'exception appartient à un milliardaire étranger résidant à l'autre bout de la planète. Pour d'obscures raisons, il s'en désintéresse complètement et le laisse se dégrader inéluctablement. Le château secret. Un doux euphémisme pour cette demeure royale désormais connue de tous. Une bien triste référence pour ce joyau de notre patrimoine, mais un lieu incontournable qui va vous fasciner à plus d'un titre. C'est donc dans ce site d'exception que nous vous convions à nous suivre pour une visite digne des plus beaux musées. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un château intitulé le château des 3h20. Vous allez comprendre pourquoi quand Ludo, à l'issue de cette petite introduction, va filmer ce qu'il y a sur la façade. C'est-à-dire une horloge. Ouais. Et quand on dit façade, il y a également combien de tours Ludo ? 8 tours je crois il me semble. 8 tours à ce château, c'est sans doute un des plus grands bâtiments et de ce style. Un des plus châteaux qu'on ait pu faire jusqu'à en présent. Urbex, hein, exactement. On est dans la région centre de la France, on ne vous en dira c'est pas ça. Plus évidemment, même si ce château est quand même relativement connu. Connu des photographes. Voilà, mais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est préservé, parce que ça. Tous ces gens qui sont passés ici jusqu'à présent sont hyper respectueux des lieux. Et ne prennent uniquement que des photos ou vidéos, et c'est pour ça que... Ils repartiront avec les images comme nous allons le faire tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Bon allez, on vous emmène à l'intérieur. Allez, tout de suite. À tout de suite. C'est majestueux, c'est grandiose. 8 tours, une façade exceptionnelle avec son horloge, son blason en dessous. On est dans la région France, centre France, on vous le rappelle. Un endroit c'est sublime de trouver exceptionnellement un château comme ça, je pense, bien préservé. En France. On n'aura pas de mal à rentrer, hein, les enfants. Regardez, il y a une fenêtre ouverte. Oui, une fenêtre ouverte juste en face. Juste en face. Et une autre derrière. Donc mais on va plutôt passer par celle de derrière quand elle ça est moins haute. On va pas se donner trop de mal. On va se contenter de celle qui est sur le côté. Allez. Donc faites très attention parce qu'il y a quand même des agriculteurs qui sont autour. Mais il y a uniquement des agriculteurs. De ce bâtiment. Et on le rappelle, on est quand même en pleine forêt. C'est vrai qu'on est passé par la forêt que vous voyez juste en c'est face. Ça. La petite forêt qu'il y a derrière, bon, on est passé par là. Et on va s'introduire par ici. Discrètement par cette petite fenêtre qui n'est pas très haute. Donc on va en profiter et c'est Ludo qui va s'introduire le premier à l'intérieur de ce château. Bon les amis, c'est parti. Allez, petite démonstration d'intrusion de Ludo. On est à l'intérieur du château. Et je crois que c'est un des plus gros châteaux qu'on ait jamais fait. Il est immense. Inutile de dire qu'une seule vidéo ne suffira pas pour décrire tout ce qu'on voit en ce moment. La première pièce, regardez-moi cette première pièce. Ces meubles, bah évidemment des meubles dignes de l'endroit, monumentaux. On a une hauteur de plafond qui doit être de 5 mètres, avec des corniches, ah non, mais des là, reliefs. Là vraiment, c'est l'un des châteaux, je pense, c'est... le plus meublé que nous avons fait hein, jusqu'à présent. Et encore, là on est vraiment dans un cinquantième hein, de ce qui existe. Déjà dans cette seule et unique pièce, il y a deux pianos. Vous en regardez, avez un ici. Il y a un piano ici. Avec les partitions, surmonté d'une tête de cerf qui est restée là. Alors dites-moi, nous on pense que c'est un cerf. C'est un cerf, ils ont enlevé les cornes, je pense, Ludo. Ouais. Ils ont dû prendre les cornes, mais c'est un cerf à la base. Cette cheminée est magnifique aussi, avec ce miroir. Oh là là là. Mais alors, c'est fou. Oh les miroirs. C'est fou, c'est un château, hein. Ça nous rappelle bien l'endroit. Hein. C'est vraiment un petit salon qui est resté comme ça, avec les documents. Je sais pas, j'ai pas pris mes lunettes une fois de plus, je sais pas les dates. Alors, je vais te dire. 17 mai 1962. 62. Regardez. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été inoccupé
depuis 1962, mais on sait qu'en 1962, il y avait des gens qui étaient ici et qui lisaient le journal dans cette pièce d'ailleurs. Mais regardez-moi ça. Je vous fais quand même un aperçu sur cette pièce. Et je ne parle pas de la seconde. Juste à côté. Et oui, qui est juste ici. Je laisse Ludo me rejoindre, mais c'est vrai que là, on en prend plein les yeux. On en prend plein les yeux. Regardez-moi ça. En tout cas, on ne peut pas oublier qu'on est dans le Saint des Saints, une demeure royale, pour ainsi dire. Et tous les meubles sont d'époque. Regardez, là, c'est pareil. Bien abîmé, mais d'époque. Nous avons quoi ? Une table, chaises. Mais là, ça devient... Une table dressée avec ses banal. Chaises. On ne parle pas de ce petit landau, là, Ludo ? Ah, ce petit landau, c'est vrai. Enfin, d'époque, ce petit landau, j'ai l'impression un grand landau. Quoi, magnifique. Oh là là, regardez-moi ça. Superbe. Cette armoire également. Je vais tellement vite que c'est vrai que Ludo prend soin de filmer des éléments qui sont vraiment extraordinaires dans cette visite. Regardez. Toute cette vaisselle en porcelaine. Toute la vaisselle est là. Dans cette immense armoire. Oh. On est vraiment dans un lieu où... Ici, on a un petit canapé. Tout était préservé quand même. Ah bah oui, là oui. Hein, là, clairement. On s'est bien abîmé. C'est vrai que les meubles sont abîmés, mais c'est normal. Le temps passe, n'épargne rien. Ni personne d'ailleurs. Et regardez là, pareil, donc là nous avons un petit meuble toujours d'époque, un petit fauteuil avec des fausses fleurs. Un petit fauteuil, un gros fauteuil. Ouais, tu mets ça dans un studio, ça prend la moitié du studio déjà. Un gros fauteuil, c'est vrai. Ah, ouais. Et là nous avons un petit canapé. Ah ouais. Et sympa ce petit canapé. C'est ça. Très élégant. Oui, oui. Très élégant. Mini canapé, c'est ça. Très joli. Et regardez si on fait cette fois-ci un plan d'ensemble. Une vue d'ensemble. Vue de là-bas, ça donne ceci. Avec le petit landau comme ça. Et là, on rentre dans la pièce principale. Chacune des pièces mériterait qu'on s'y attarde bien davantage, on vous l'accorde. Mais malheureusement, ce château possède tellement de pièces et de dépendances qu'on va être obligé d'accélérer le rythme. Et là, il y a une petite statue. Hein, qui a perdu sa tête. Qui a perdu sa tête, la pauvre. Ben d'ailleurs, je crois que les morceaux de tête sont là, Ludo. Ouais. Ah non, là, j'ai une main. Une main, c'est ça. Là, j'ai une main. Je n'ai qu'une main. C'était en plâtre, il me semble. J'ai une deuxième main, malheureusement, tout est cassé. Et regarde, est-ce que tu arriverais à soulever ce petit clapet ? Je pense que... Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Non, malheureusement. Mais vous voyez bien quand même que c'est un piano. Oui, il y a le... C'est ça. Le clavier qui est juste derrière, là. C'est bizarre comme piano. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un orgue ? Je ne sais pas. C'est assez particulier. Hein. Ça change des pianos qu'on voit habituellement. Ce n'est pas un piano droit, c'est sûr, puisqu'il y a quelque chose d'amovible là, au niveau du clavier. On va continuer cette visite. Derrière ces portes se trouvent d'autres pièces, évidemment, mais regardez déjà. Cette moulure avec ces deux chérubins qui dominent cette porte monumentale qui va nous laisser découvrir un nouvel univers de ce château. Oh, je vous laisse admirer. Extraordinaire. C'est un qualificatif qui ne suffit pas à sublimer cet endroit, c'est absolument... C'est incroyable, incroyable. Là, nous sommes dans l'entrée principale, avec cet escalier, donc, qui montait aux étages, qu'on montra tout à l'heure avec Ludovic. Que dire de cette entrée ? Des pierres de taille blanche. De cette entrée, déjà, c'est ça. De grandes pierres de taille blanche, avec, regardez au-dessus, un petit balcon. Ouais, pour admirer peut-être les gens qui arrivaient. Exactement, un tout petit balcon percé dans le toit de cette entrée. De chaque côté de la porte principale, on avait deux alcôves avec certainement des statues à l'époque. C'est ça. On devine également que, en regardant les traces sur les murs, qu'il y avait des blasons ou des cadres qui ont été malheureusement qui ont été enlevés. Et regardez ce qu'il y a sur cette table. Des vieux journaux. Regardez. Oh là là, c'est splendide. On ne va pas regarder les dates à chaque fois, mais je pense que c'est très vieux. Ouais. Même ces registres doivent avoir des cahiers de comptabilité avec une écriture que peu de gens ont encore. C'est vrai qu'autrefois, ils écrivaient quand même assez bien. Il faut le souligner. On n'est plus capable d'écrire comme ça. Et regardez, ça, je ne sais pas ce que c'était. Un petit aspirateur, peut-être ? Ou une poussette, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est une poussette de poupée. Ah ouais ? Peut-être, ouais. Regarde. Je pense que la petite fille a essayé sa poupée là-dessus. Ouais. Et la baladait dans le jardin.
Le parc est immense autour de ce domaine. Ah oui. Donc, de toute façon, il est aux dimensions du bâtiment, et regardez du château. Cette porte, si on parle un peu plus de cette porte quand même, cette porte principale, qui est bourrée de toiles d'araignées, par contre. Ah oui, ça c'est... Mais c'est normal. Hein. Ouais. Il y a même un nid d'hirondelles juste derrière toi, Ludo, au-dessus de la petite corniche. Ah, effectivement. Même les hirondelles ont trouvé refuge en ces lieux. C'est ça. Donc ça laisse supposer que ça fait quand même pas mal de temps que c'est abandonné. Hein. Et regardez, ça, c'est plein de petites sculptures qui ont été laissées là. On y reviendra. Des poteries extérieures. Là, on a un petit salon. En fait, on ne sait plus où donner de la tête. Hein. Alors, excusez-nous d'être un peu brouillons nos définitions. Si on ne définit pas tous les termes... Il y a tellement de choses. Toutes les pièces correctement, c'est normal. Regardez ce vieux landau, là. C'est toujours pareil. c'est incroyable de trouver ça. Incroyable. Ce vieux landau, là. Et ici, nous avons peut-être, le portrait de ceux qui ont vécu en ces lieux. C'est bien possible. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir. C'était un très beau portrait, en tout cas. Derrière cette porte, on continue. Allez, on vous montre là le meilleur, mais pour le début cette fois-ci et pas pour la fin. D'ailleurs, je crois que cette porte définit déjà ce qu'il y a derrière. Un indice, une croix. Ce qui veut dire une petite chapelle. Et là, cerise sur le gâteau. Regardez où on arrive. Dans une chapelle. Pour se recueillir. Elle est sublime. Ce vitrail représentant la royauté. Oh là là. C'est magnifique, c'est incroyable de trouver ça. On a une statue tout en haut, là-haut, qui est particulièrement préservée parce que personne ne peut l'atteindre. Alors que celles qui sont en bas ont été quand même plus ou moins cassées, malheureusement. Mais bon, c'est quand même dans un état de conservation, comme on le redit, remarquable. Extraordinaire. Et regardez, là-bas, il y avait, sur votre gauche, l'endroit pour se recueillir, hein, je pense. Mais je pense qu'il y avait toutes les chaises qui étaient comme ça, à la base. Ça devait être comme ça, parce que toutes les chaises sont là. Il y a des prie-dieu, bon, c'est bien normal. Un prie-dieu ici. Fait une reconstitution. Ouais, un prie-dieu ici, puis il y avait les gens qui étaient au milieu, je pense. Et regardez, ce qu'on ne vous a pas montré, c'est ce blason qui était au-dessus. Enfin, c'était le blason, je pense, du château. Alors là, je n'en ai aucune idée. Hein. Pas plus d'avantage que les phrases qui sont en dessous, écrites en latin. Alors, si des gens s'y connaissent en latin, alors là, aidez-nous, parce que je vous avoue qu'on n'est pas très très fort. Et puis, vous remarquerez que quand on parle dans cette chapelle, ça résonne. Il y a une sonorisation très particulière, une résonance, un écho de nos voix, qui est spécifique à ce genre de lieu. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'était bien cassé, évidemment. Certaines personnes sont, malheureusement, qui ne respectent rien, sont passées ici, à la recherche peut-être de trésors ou de je ne sais quoi. C'est dommage, mais bon, c'est ainsi. Hein. Oh, là, on a un texte gravé dans la pierre, Ludovic. Oui, c'est ce que je... Ici. Je viens d'apercevoir. Alors là, Messire Claude... Malnori, seigneur d'Aubigny, Romanet, Dienne et autres. Alors, dans le doute, je vais partir de ce texte car il y a des informations sur peut-être les gens qui habitaient ici. C'est taillé, c'est sculpté dans la pierre carrément. Mais voilà, c'était pour vous montrer cette petite chapelle quand même qui est assez rare dans un château. Pas tous les châteaux en ont une. On a un coffre ici avec un vieux tapis à l'intérieur. Vieux coffre en bois. Le même de l'autre côté. Magnifique, franchement. Ah, trouver une petite chapelle au sein d'un château, ce n'est certes pas si rare que ça. Ah ! Et là, comme je vous le disais, c'est pour faire les confessions au prêtre. C'est un confessionnal, exactement. Voilà. Le prêtre d'un côté, certainement là où il y a la chaise. Et de l'autre côté, la personne qui venait confesser ses péchés. Mon père, je viens me confesser. Mais j'ai pas grand-chose à vous dire, puisque finalement, je n'ai rien à me reprocher non plus. Bonne journée. Même scénario, mais une autre pièce. Attention, c'est majestueux. Salle à manger grandiose, messieurs, dames. Avec son vaisselier, sa vaisselle en porcelaine, la table dressée. Nous n'attendons plus que les convives. Oh là là, non mais alors là, je pense vraiment... Sur les murs, des tentures,
avec la fleur de lys, symbole évidemment de la royauté. Ah non, mais là, il y a de la fleur de lys partout. Pièce. C'est absolument magnifique. Regardez, on est dans un rêve. Là, comme on le disait avec papa à l'instant, on est dans un musée. C'est extra... Ah bah oui, on est dans un musée et on est seul. Littéralement. Et on découvre. C'est ça. C'est extraordinaire de voir toutes ces choses qui sont restées là. Oh. Il y en a tellement. On pourrait y passer 3 jours, hein, Ludo, je pense. Ouais, mais on va quand même détailler petit peu ce qu'il y a, malgré tout. La vaisselle est magnifique, déjà. Cette vaisselle, tout en porcelaine. Hein, tout en porcelaine. Et ce vaisselier, grandiose, majestueux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Carrément, il est incorporé dans le mur. Hein. C'est pas un meuble qui a été mis comme ça. Hein. Ça fait partie de la bâtisse, partie intégrante de la bâtisse. Regardez. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah non, mais là, en fait, il y a toute la vaisselle. Toute la vaisselle là, est là. Vous dire, celle-ci a été un petit peu touchée. Celle-là, pas du tout, apparemment. Puisque, bon, il y en a un peu devant, donc personne n'a ouvert les portes jusqu'à présent. C'est très bien comme ça. C'est incroyable. Des portes un peu partout. On découvre, on est comme vous. On découvre des choses. Oh, grand vin de Bordeaux. Bordeaux. Regardez. Un petit. Alors là, je ne sais pas si ça s'ouvre, si ça ne s'ouvre pas. On va pas forcer. Mais il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et qu'on ne voit pas forcément. Hein. Oh lol. Ah non, mais alors là, je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'être ici. Hein. Ben, nous, on l'évalue quand même, Ludo, hein, parce qu'on s'en... Vraiment, on s'en émeut à chaque fois d'être dans des endroits comme ça. Mmh, qui respirent encore le vécu de ceux qui ont occupé ces endroits. C'était une autre époque, d'autres valeurs. Ah bah là, je confirme, là, c'était carrément d'autres valeurs. Mais ce château, je me demande même s'il appartenait pas à un roi. Je sais pas, on se renseignera de toute façon, et quoi qu'il en soit, on vous dira dans les petites introductions et conclusions qu'on fait. Voilà, c'est concernant ça, nos vidéos. Préalable. Voilà ce qu'était ce château. Et on espère trouver la réponse à notre problème. Et regardez ce petit canapé. Petit, j'adore quand Ludo il est petit. Oui, enfin petit, c'est parce une façon de parler bien sûr. Voilà, on en met quand même 4 comme moi. Magnifique. Mais il très devait bien. Être très très confortable. Oui, et très bien préservé, il n'est pas abîmé. C'est pour ça. Superbe. Et cette nappe du coup sur la table, nappe verte. Très très belle nappe. Les deux petits canapés qui sont... Ah oui, qui sont derrière, on n'y prête même pas attention hein, finalement. On n'y prête même plus... Il y a tellement il y a même des vieilles choses hein, partout. Il y a ce vieux sac, ce vieux cartable. Ce vieux cartable. La pièce essentielle dans ce château, comme dans n'importe quelle maison d'ailleurs. La cuisine, mais évidemment, aux dimensions du château. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette cuisine de folie, les amis. Ça, c'est cette table en bois déjà magnifique, absolument splendide. Mais alors ce bio là. Oh là là là. Ça, c'est extraordinaire de voir ça. Il est magnifique. Et tout le reste, des jarres en terre, ces vieilles casseroles d'ailleurs, des casseroles, vous remarquerez, il y en a casseroles, partout c'est ça, hein. Le long des murs. Là, vous n'en manquerez pas parce qu'il y a... Alors là, attention Ludo, en marchant, parce qu'il y a des plaques avec des clous qui ressortent. Des petites plaques. Faites très attention. Et j'aimerais attirer votre attention particulièrement sur ce petit four, cette cheminée. En fait, c'est une cheminée, hein, mais dont il devait se servir de four dans cette cuisine. Elle est absolument superbe, toujours avec les symboles de la royauté, ces fleurs de lys. C'est ça. On a même un petit fer. Alors ça, c'est un petit fer. Je ne sais pas exactement à quoi ça servait. Mais alors, il y a plein d'objets ici qu'on ne connaît pas. Hein. C'est vrai. Hein. Alors, on continue. Oh, une balance. On vous fait voir ça. Oh, une balance. Oh, une vieille balance. Comme on a à la maison, d'ailleurs. Oui, on en a une comme ça, c'est vrai, avec le poids. Des vieilles gamelles en cuivre. Un évier et puis des meubles, pff, c'est les meubles, c'est vraiment des meubles de chez meubles. Hein, regardez la porte, regardez l'épaisseur de cette porte. C'est des trucs incroyables, incroyables. Alors c'est invraisemblable. On est comblé, hein. Tout est là, tout est vraiment là. Des marmites, des casseroles, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, on a encore de la vaisselle. Oh bah toute la vaisselle, mais bon... Tout est resté, des appareils... J'ai presque envie de dire finalement que c'est anodin hein, de trouver ça. Yaourtière, ça encore c'est plus récent, ça date des années 80. Hein. Mais il y a des, des,
Il y a des assiettes, des tasses qui datent de beaucoup plus longtemps que ça. C'est vrai. Et regardez, c'est pareil, ce qu'on a derrière, des casseroles. Des casseroles encore toujours. Et toujours. Ah, mais les casseroles, ils aimaient ça. Avec un vieil escabeau en bois, là. C'est ça. Et là, tout pareil, regardez. On a la vue sur l'extérieur et la dépendance de ce château. Bah, qu'on il y a plusieurs dépendances, mais on n'aura pas le temps de les faire. Je pense pas qu'on aura le temps. Malheureusement. Voilà, c'est ça. Je suis toujours en train de regarder l'intérieur de ces meubles avec cette vaisselle. Magnifique. C'est absolument... Mais les casseroles, moi, par contre, au mur, sont vraiment splendides. Bon, alors là, les amis, on se remet de nos émotions parce que cet escalier, donc déjà monumental, ici, En bois. En bois, mais sculpté, hein, je pense. Ah ouais. Véritable bois. Et là, on a toujours cette magnifique pièce en bas avec ce vieux landau, là, que papa est en train de vous filmer. Magnifique. Et là... C'est vraiment spectaculaire. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. On n'a jamais vu un cadre d'une telle grandeur. Il est démesuré. Je ne sais pas combien... Je dois faire quoi, 5 mètres d'eau? Je pense, hein. Sur 3 mètres de large? Mais alors, par contre... Tiens, mets-toi juste en dessous qu'on voit Ludo là. Ah, mais regardez. Avoir une référence. Je n'atteins même pas. J'atteins à peine la hauteur du cadre. La hauteur minimale. Un truc incroyable. Mais par contre, je me demande si cette œuvre a été volée. La toile centrale a disparu. Ou alors la toile centrale a-t-elle été reprise par le propriétaire des lieux? C'est ce que je me demande. Mais en tout cas, toujours avec ces ornements de la royauté hein, qu'on peut apercevoir juste ici. Magnifique. Et pareil, bon, un petit canapé, mais ça, je cesserai de le répéter. Il y en a des centaines. Ludo adore les petits canapés. Dans ce manoir. Toujours dans cet escalier. Hein, on progresse. C'est ça, et là, on va arriver, cette fois-ci, dans une pièce sublime, encore une fois. Regarde, papa, un piano. Ce petit piano. Allez, on y va pour la petite note symbolique. Ah, il joue, en plus, eh oui. Bravo, Ludo. Là, celui-là, c'est il marche. C'est vrai que les deux premiers... En vrai, comparé à l'autre, je trouve que il est bien mieux, celui-là. Et on arrive donc à la partie supérieure du hall d'entrée qu'on vous montrait tout à l'heure avec ce fameux petit balcon. Ce petit balcon. Circulaire. Voilà, magnifique. Et d'ici donc, on voit le hall d'entrée où on était tout à l'heure. Ce hall d'entrée qui est juste sublime, hein, comme tout le reste. Mais bon, après, on ne cesse de se répéter. Et regardez, là, je pense qu'ici, c'était des espaces de rangement ou soit une petite bibliothèque, ou avec un petit espace de lecture, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait, regardez, même là... Ces meubles superbes. Il y avait les mêmes meubles à chaque fois. De part et d'autre. Voilà. Pareil aux dimensions du château, hein, c'est vraiment... Donc je me demande... Monumental. Et je dois attirer votre attention sur quelque chose quand même. Les portes là qui sont les mêmes capitonnées. Que la chapelle qu'on a vue en c'est bas. C'est vrai, ouais. Ben elles sont rembourrées, mais... Elles sont capitonnées. C'est assez agréable de... D'ailleurs, on voit ici, là, l'intérieur d'une de ces portes, curieusement. Ah, c'est ça. L'habillage était enlevé. C'est ça. Et c'est une espèce de toile de lin qui est à l'intérieur. C'est Alors, ça. Est-ce que ça servait... Est-ce que ça servait à isoler phoniquement? Je sais pas. Ou au niveau des calories pour éviter les pertes de chaleur? Je ne sais pas. En tout cas, bon, ce château est absolument splendide. Regardez, on est donc au premier étage, dans ce hall magnifique. Et surtout, ce petit balcon sphérique qui domine l'entrée principale. On continue. Première chambre du premier étage. On commence par quoi, Ludo? Regarde, cette cheminée exceptionnelle, et de marbre sculpté. C'est dommage qu'il y ait tous ces trucs en bas, mais en limite, on s'en fiche. Regardez cette cheminée, elle est superbe, surmontée de ce miroir gigantesque. Toujours pareil, hein. Toujours pareil, aux dimensions de l'endroit où on est. Et on rappelle, ça tombe en lambeaux, tout ça. Et tout est en train de tomber en ruine. Regardez à l'intérieur de cette armoire. Quel est vieux ouvrage. Magnifique. Voilà, la literie. Regardez. Tout est là, je ne reste pas devant la caméra, c'est inutile. Je vous laisse admirer avant tout. Là, on a une magnifique table. Bon, vieille table, petit canapé, une petite chaise et toujours ces meubles en bois massif. Et que dire de cette malle? Regardez cette malle. Ludo, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un cadavre? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Alors, ce qui est curieux, quand même, j'aimerais quand même attirer votre attention. Qu'est-ce qu'il y avait ? Alors, moi, j'aimerais bien comprendre. À quoi servait ? À quoi ça servait, ça ? J'aimerais que vous nous expliquiez, ceux qui vont voir cette vidéo exceptionnelle, à quoi servait cette boîte de rangement ou cette malle, je ne sais pas comment l'appeler, et à quoi c'est quoi ces trucs-là ? Si quelqu'un sait, on est preneur. Ah, franchement, il y a des aiguilles de planter dedans. Est-ce que c'est normal ? Je sais pas du tout, là. Bon, je vous laisse méditer. Et là, regardez, pour en revenir à cette chambre, regardez. Un pape qui est le tableau de... C'est un pape. De ce lit, oui, c'est ça. Exactement. Comme bien souvent, ce genre d'endroit est quand même voué à certains saints, certains prêtres, certains papes. On y trouve souvent des croix, des crucifix, des représentations religieuses. C'est souvent le cas, hein. Comme là, ces saints qu'on voit au-dessus de ces meubles. Là, on va découvrir en même temps que vous ce qui se trouve au fin fond de ces multiples couloirs. Même si on a fait un premier repérage avant ici. Oui, mais c'est tellement grand qu'on ne se rappelle plus de ce qu'on a vu en fait. C'est ça. Il y a des armoires un peu partout, des petits meubles un peu partout et des chambres. Regardez, cette chambre se situe dans une... Là, c'est la salle de bain. Salle de bain. Je disais donc, cette chambre se situe dans une des tours de ce château. Alors quand même, si on peut y mettre une chambre, c'est que les tours quand même sont relativement phénoménales. Hein. Ah ben c'est vrai que regardez, on a la place. On a la place largement d'y dormir. D'y mettre un lit. Hein. Ouais. Et des tours comme ça, il y en a 8. 8 au sein de ce château, de cette ancienne forteresse. Magnifique. Et vraiment là, on s'extasie à chaque fois. Cette chambre était peut-être la chambre d'une petite fille. Ludo, certains cadres m'y font penser, maintenant peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est assez féminin tout ça, ces petites fleurs. C'est vrai, mais je pense quand même que cette chambre était beaucoup plus récente que les autres. En plus, c'est un lit, une personne. Moi, je vois bien une petite fille ici. C'est exact, avec une très très belle vue sur l'extérieur du château. Ce domaine qui s'étend, on vous le rappelle, sur plusieurs hectares. C'est vrai. C'est vrai que ça. Je crois qu'on a même, cette enveloppe. Je crois qu'il s'agit de ce château. C'est une enveloppe, simplement une enveloppe, qui servait peut-être pour correspondre à partir de cet endroit. Ils avaient leurs propres enveloppes à l'effigie de ce domaine. On poursuit notre visite dans ces couloirs. Ouh là là là, on va éviter de trop toucher. Regardez ça. Cette petite manivelle, c'est pareil, je ne vais pas trop m'en servir. Hein. Mais ça servait autrefois à baisser les stores le long de ces fenêtres. Comme quoi, je ne veux pas dire qu'on n'a rien inventé, mais même si ce n'était pas électrifié, s'il n'y avait pas un moteur électrique, déjà, ils avaient eu l'idée de baisser des stores à la main, des stores roulants. C'est vrai. À l'époque. Et là, on arrive dans une nouvelle chambre. Très bien conservée, celle-ci. Bon, on a l'inévitable moisissure qui s'installe au niveau du plafond. Ça, c'est normal. On a ce lit qui est là. On dirait que des gens viennent de se réveiller pratiquement. Hein. C'est vrai que c'est magnifique. Une superbe armoire juste à côté. Sublime. Toujours une cheminée, puisqu'on vous le rappelle, à l'origine, ces châteaux n'avaient pas d'autre mode de chauffage que des cheminées individuelles par pièce qui ne fonctionnaient qu'avec des bûches. C'est ça, c'est exact. Magnifique. Cette petite chambre a une âme. Cette nouvelle pièce surdimensionnée fut autrefois une chambre. Ça paraît incroyable. On commence par quoi, Ludo ? Bah, toujours. Regardez-moi cette cheminée. Regardez-moi cette cheminée. L'ornement. Magnifique. Quelle décoration. Ces dorures, ces sculptures, cette marbrerie et ces petites briquettes. Oh. Bon, je la vois comme s'il n'y avait pas ce poêle, c'est sûr. À une certaine classe, quand même. Oh, même ce poêle est classe, quand même. Mais je vois la cheminée telle qu'elle était quand il n'existait pas. Parce qu'après, ils ont mis ça pour des facilités de chauffage, certainement. Alors, on continue sur ce meuble qui est à droite. Ah oui, là, on peut facilement continuer sur ce meuble. Magnifique également.
avec cette petite représentation. Et cette représentation, on peut peut-être essayer de la lire. Je sais pas ce qu'il y a marqué. Andromaque pleurant sur les cendres d'Icrée. Alors là, point d'interrogation. Il y en a plein qui vont nous en parler, j'en suis sûr. Cette armoire-là. Oh, cette machine à écrire aussi. Ah oui, une vieille machine à écrire. Mais l'armoire, t'as raison, qui est... immense. Ouais. Tout simplement immense. Magique. Et regardez-moi ça. Donc cette du coup, comme je disais, cette table. Avec cette machine à écrire d'un autre genre. Ah mais là, ça ressemblait plus à la nouvelle génération. Oui. Un peu les premiers ordinateurs. Ah, non, c'était non. Manuel. Mais bon, c'était une classe au-dessus quand même. Hein. Naissance, mariage, mort. Ah, bah les trois choses que l'on fait en général dans une vie. Union des syndicats agricoles. Peut-être qu'ils exploitaient leurs terres. Hein. Ils fabriquaient, je sais pas, qui faisaient du vin, des choses comme ça. Je ne sais pas si ce château était vraiment un château entouré de ce domaine où on n'a rien vu de particulier. Où est-ce que c'était exploité? Les dimensions du lit sont gigantesques. Et par contre, du coup, c'est pareil. Voilà, on a un lit, bon. Il doit faire énorme, avec un canapé énorme aussi. Tout est énorme dans cette pièce. On a également une très grande armoire là-bas, un bahut. Ouais, c'est ça. Hein. Une chaise percée. Bon, tout. On en parle presque comme si c'était bénin, alors que ça n'est pas du tout. On quitte cette salle de bain parce qu'on vient de découvrir qu'il y a une porte juste derrière. On précise juste que cette salle de bain fait partie d'une des 8 tours de ce château. Là. Oh là là! Bah ça n'en finit plus. Surprise en surprise. On va essayer de voir s'il y a la lumière quand même. Ça aurait été étonnant que ça s'allume. Oh, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Regardez, on descend un petit escalier. Ah ouais, en plus. Magnifique. C'est une bibliothèque, c'est. Et c'est tout, cette succession de vieilles machines à coudre. Atelier de couturières clandestines. Ah ben là, je pense que des couturières clandestines étaient ici. Oh là là, regardez-moi ces machines. Bon, il y a Singer, mais il n'y a pas que ça. Hein. Oh, cette pièce est simplement magique, magique. Oh, avec tous ces vieux ouvrages le long des murs, le bureau du maître des lieux, sans doute. Ou de celui qui les regardait faire, justement. Oh. Ou alors ça, c'est le livre divin. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors là... Le cardinal Capalti. Eh oui, des livres religieux, comme on en trouve tant. Le cardinal Barnabo. Donc, on a un livre sur les cardinaux. Sacré Collège, les cardinaux, portraits, biographies et autographes des cardinaux. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Les amis, là, on va de découverte en découverte. Ah oui, la religion est très présente en ces lieux, ce qui donne encore ce charme supplémentaire. Et regarde, papa, si on... voit un peu de plus près, on va dire, l'ensemble des éléments. Donc là, nous avons la bibliothèque qui a quand même été pillée. Oui, on n'a pas le temps de regarder chaque ouvrage, mais je suis sûr que parmi tous ces ouvrages existants, là, sous nos yeux, il doit y avoir de véritables petits trésors. Et regardez, et ces fameuses machines. Singer. Magnifique. D'ailleurs, on peut faire ça pour que tout le monde puisse l'admirer, cette machine. Regardez, il y a encore la bobine de fil sur la machine. Prête à être utilisée. La seconde. Et là, attends, on a un tourne-disque. J'attire ton attention. Ah oui, allez, on change de registre. On a un petit tourne-disque. Année 1940-1950. Disque vinyle, 45 tours, 78 tours. Avec le haut-parleur qui est intégré, qui se mettait comme ça, je pense. Voilà. Et vous aviez donc la musique passée par ce haut-parleur et le disque qui tournait ici, avec ces vieux boutons. On continue sur les machines, Ludo? Allez. La seconde, elle est visible. Vous la voyez, c'est une machine de marque Singer également.
Oui, mais elle est un peu différente, simplement. Et la troisième, attention, attention. Rien que le coffret est magnifique. Rien que le coffret est magnifique. Surprise. C'est pas une singère. C'est une pfaff. Une pfaff. Selon Ludo. En plus, il a pas tort. Hein. Oui. C'est une pfaff. Regarde, c'est marqué là. P-E-A. Non, P-F-A. P-F-A. Ah ouais, P-F-A-F-F. C'est une pfaff. Extraordinaire. C'est la première fois qu'on trouve une pfaff. Et ce qui est aussi extraordinaire, regardez, c'est que le linge est encore sous l'aiguille. Ouais, prêt à être brodé. Ah oui. Cousu. Ça, c'est magique. Ah, on se souviendra de cette pfaff. Rien que le nom. Et juste à côté de cette pfaff, on a une superbe cheminée, regardez, qui chauffait donc ces dames qui travaillaient dans cet atelier. Alors, je ne sais pas si c'était clandestinement ou pas, on se renseignera sur l'histoire du lieu pour vous dire tout ça. Et même si vous connaissez l'histoire du lieu, n'hésitez pas, on le rappelle, à nous la dire en commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. Tout à fait. Et voilà. Il y a des vitraux également, Ludo. Magnifique vitrail ici. Exact. C'est superbe. La décoration de cette pièce ne nous laisse pas indifférents. Elle est très intimiste. C'est presque ma préférée. Ah, mais celle-là, je pense, ouais. Moi aussi, je pense que c'est ma préférée. Ouais. Il y a une certaine chaleur qui se dégage de cette pièce. Bon, alors les amis, regardez. Alors là, c'est un Capharnaüm sans nom. Un Capharnaüm sans nom. Mais regardez. Pourtant, c'est quand même majestueux. Ah ouais, on devine ce que c'était. Regarde encore ce lit. Ce lit monumental. Oh là là. On est au second étage, je crois, c'est ça, Ludo. Second étage de cette bâtisse. Je ne sais pas dans quelle aile, ni quoi que ce soit, parce qu'on est complètement paumé. Regardez-moi cette armoire qui croule sous le linge de maison. Oh là là. Il y en a partout, il y en a partout. Mais regardez, plein de briquets de broc, hein, comme on dit. Ah oui, oui. Dit. Bah, de toute façon... Il y a que ça. Là, on est sous les combles. Alors là, il y a... Ah, oh, tiens, j'attire ton attention, Ludo. Une collection de pots de chambre. Oula. Dans ce placard. Ah ouais. Avec au-dessus une petite bouilloire. Bon les amis. Une chambre. Encore une chambre. Mais cette fois-ci, pareil. Hein. Toujours un agencement très particulier. Et regardez, la moisissure. Qui a tout détruit. Hein, au niveau des tapisseries, notamment, l'humidité vraiment pénètre dans ce lieu. Et c'est toujours... Le problème numéro un qui se pose, c'est ça. Accélérer la dégradation des lieux. La présence de l'eau de pluie, mais aussi l'humidité ambiante, puisque les lieux ne sont pas chauffés. Et ils ne le seront malheureusement plus. Ah non, bah là, surtout dans cet état. On a les tentures murales qui sont encore là, c'est énorme. Hein. Regardez. Les tentures murales en velours. Bon, là, les amis, on attire votre attention sur quelque chose d'assez particulier. Ouais, là... Une espèce de voûte. C'est une voûte en briques rouges, sans doute d'origine, avant que l'habillage, beaucoup plus tard, à mon avis, ne soit posé. C'est ça. Là, on la voit bien parce qu'on arrive carrément aux parties supérieures de ce château et certaines parties sont complètement dénudées, déshabillées de ce qu'ils avaient mis après pour habiller les murs. Et on arrive dans une chambre, oh là. Ouais, mais en fait... Encore vraiment, une chambre. Les chambres. Alors, on va commencer par ce tableau assez singulier qui représente cette femme. Était-elle présente ici, autrefois? On peut se poser la question. On entend du bruit, mais je crois que c'est de l'eau qui coule. En fait, c'est de l'eau pleut à l'extérieur. Qui tombe sur un truc en métal. Ouais, on est toujours sur nos gardes, alors effectivement. Et on retrouve toujours plein de livres, plein de documents. Et cette fois-ci, avec des rectifications. Alors, au vu des nombreuses machines à écrire qu'on a trouvées ici, est-ce qu'eux, ils étaient peut-être dans la rédaction de certains documents? Parce que regardez. Ou ils étaient peut-être écrivains. Hein. On a encore une machine ici, à écrire. On a encore une machine à écrire ici. Pratiquement dans chaque pièce, on retrouve des machines à écrire. Même dans les chambres. Alors, est-ce qu'ils avaient un don pour l'écriture, ces gens? C'est vrai. On peut se poser la question. Et là, regardez. Moi, si on filme cette pièce cette fois-ci. Dans son particulièrement ensemble. Bien conservée.
Oh, celle-là, oui. Hein, même si elle est sous les combles, on a vu pire tout à l'heure. C'est ça. La cheminée, les petites appliques. Et là, si on continue, on va cette fois-ci aller dans la tour du château. Une des tours, une toujours des pareil. Tours, on ne sait pas trop laquelle parce qu'on est un peu perdu, on vous l'avoue. Regardez. Et c'est quand même extraordinaire parce que même dans la tour, il y a une cheminée, un petit canapé en arrondi pour qu'il puisse épouser parfaitement le mur de cette tour. C'est vraiment le mobilier qui correspond à l'endroit. Et donc, c'était peut-être un petit salon d'appoint. C'est ça. De détente. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration de folie. Oui, je crois que c'est le plus beau château. Hein ? Et sans doute, ouais. Le plus beau château qu'on ait visité. Et immense. 8 tours, on vous le rappelle. 8 tours. Des dizaines et des dizaines. 15 chambres. 15 chambres. 15 salles de bain, du coup. Ouais, ouais. C'était juste des salons, salles à manger. C'est fou. Tout ce qu'il y a ici, c'est incroyable. On ne sait même plus quoi dire. Ouais. Et je ne suis pas persuadé qu'on ait fait toutes les pièces et qu'on ait tout vu. Je pense qu'on a manqué quelques pièces. Tellement ici. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez largement ce qu'il vous faut. Ouais. En tout cas, celle-ci, on a tenu à faire notre conclusion donc, dans cette pièce qui a retenu particulièrement notre attention. Parce qu'on se met justement dans la peau des travailleuses qui étaient ici. Voilà. Et puis elle est très intimiste cette pièce, avec toute cette littérature, à moitié bibliothèque, atelier de couture. Et je pense que c'était peut-être dans cette pièce qu'il y avait le plus de vie, finalement. Oui, finalement, c'est ça. Voilà. Et peut-être que les travailleuses aussi dormaient dans ce château, C'est bien possible, hein, parce que de toute façon, 4 machines à écrire, ça laisse supposer quand même qu'il y avait au moins 4 femmes qui faisaient de la couture. C'est ça. Le maître des lieux, certainement des enfants, pourquoi pas. Oui, même, oui, des domestiques, je pense, parce qu'un château comme ça demandait forcément des domestiques. Donc oui, beaucoup de personnel pour beaucoup de chambres. Voilà. Bon, si cette exploration vous a plu, mais alors là... Oh, forcément. Forcément. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce château. Et ceci dit, juste un petit détail qu'on voulait vous préciser avec Ludo, on n'a pas le temps. On n'a plus trop le temps de répondre aux commentaires. On essaye de faire tout notre possible. Voilà. On les apprécie énormément, les commentaires. Mais ça fait vraiment plaisir. Mais en ce moment, on en reçoit vraiment beaucoup. Malheureusement, on n'a plus le temps. On est un peu dépassé par les événements à ce niveau-là. Et on s'efforce quand même de répondre, dans la mesure du possible. Alors, veuillez nous excuser si on répond de façon très succincte. Ou pas du tout, c'est pas qu'on n'a pas lu votre commentaire, mais en tout cas, c'est qu'on n'a vraiment pas le temps de tout faire, malheureusement. C'est ça. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle exploration vendredi prochain, toujours en road trip dans le centre de la France. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Au revoir. Décidément, ce lieu a tenu toutes ses promesses et bien au-delà. La féerie de ce voyage nous a transportés à travers de lointaines époques, des lieux improbables. Ces successions de chambres, ces multiples coursives, salons et autres pièces nous ont envoûtés de leurs décors somptueux et leurs délicats raffinements. Le mobilier encore présent nous a constamment ramenés au quotidien de ceux qui ne sont plus, ces monarques disparus. Leur histoire transparaît en chaque objet, chaque meuble, à qui sait la lire, la décrypter. Ici, les références historiques sont légion. Néanmoins, certaines parties du château nous parlent plus que d'autres. C'est le cas de cette fabuleuse chapelle où la magie du lieu nous plonge encore dans la prière, le recueillement et le respect, comme un cocon spirituel préservé pour l'éternité. Cette étrange sensation, nous l'avons également ressentie dans l'intimité de cette bibliothèque occupée par cette enfilade de vieilles machines à coudre qui semble attendre le retour des petites mains pour reprendre la cadence de leurs aiguilles. Ici, comme celles qui mesurent le temps, elles se sont arrêtées définitivement. Mais peu à peu, ce temps qui passe efface les traces du passé et affaiblit un peu plus l'imposante structure. Du haut de son demi-millénaire, le géant de pierre a déjà un genou à terre.